As-tu entendu la nouvelle? Laquelle? Cela ne répond pas à ma question. Non, pas du tout. Simple. Je vais te répondre. Le prince rentre à la maison. Le prince William? Le fils du roi. Et comment le sais-tu? J'ai entendu sa conversation avec la princesse au téléphone. Son retour sera grandiose. Depuis sa naissance, il n'est jamais venu dans ce royaume. J'ai appris que c'est un beau gosse. Je ne comprends pas. Tu as appris que c'est un beau gosse. De qui? Parce que la seule personne à le connaître, c'est Adazé et la reine. Même notre défunt roi ne le connaissait pas. De toutes les façons, je l'ai appris d'une personne anonyme. Je présume qu'il a un bel âme. Notre princesse est belle. Et Lola est également belle. Alors, il doit être un beau gosse. Oh. Et s'il ne ressemblait à aucun membre de sa famille? Comment cela peut-il être possible? Il doit, je veux dire, il doit ressembler l'un d'entre eux. Alors, n'y pense même pas. Oudou. Tu sais que tu es une servante. Alors? Et je le suis également. Qu'est-ce qui te fait penser que le prince William n'aura jamais quelque chose à voir avec des simples servantes comme nous? Ah! Regarde-moi très bien. Je ne suis pas simplement une ménagère. Je suis une première classe. Regarde un peu autour de ce village. Toutes les filles ne sont pas aussi jolies que moi, alors n'y pense même pas. Assez d'assurance. Servante de première classe. Servante de première classe. Et cesse de te voiler la face. J'en ai vu des servantes de première classe. Tu t'imagines? Je ne suis pas deux, juste une. C'est le cas pour moi non plus. Peu importe. C'est le cas pour moi aussi. Tu veux voir? Regarde, Oudou. Il n'y a pas de chisier non plus. Tu vois ça? Tu vois ça? Comme moi, il n'y en a pas deux. Regarde-moi celle-ci. Tu penses que tu en as? Regarde, Oudjouma. Regarde, ça balance. Ça bouge, ça bouge. Regarde, ça bouge, ne le vois-tu pas? Les filles, arrêtons de rêver de l'impossible. Nous savons toutes que même si le prince entrait et s'intéressait à l'une d'entre nous, notre travail nous disqualifie automatiquement de l'épouser. Parce que la reine et la princesse que je connais ne laisseront jamais le prince épouser l'une d'entre nous. Nous sommes des servantes. Tu penses comme la fille du village que tu es. Ne m'insulte pas. Ah ah, insulte. Fille du village, est-ce le mot faible pour te décrire? T'as une faculté de réflexion tellement basse. En fait, c'est le même problème que j'ai avec vous, les filles. L'influence environnementale. Eh bien, Clara, c'est une insulte indirecte à nous toutes. Désolée, oh. Je suis désolée que vous l'ayez mal pris. Mais je dis ce qui est évident ici. Que chacune d'entre nous se regarde. Avez-vous vu les filles de ce village? Laquelle de ces filles est plus jolie que nous? Clara? Tu as juste mal compris ce que Amaka essaye de nous dire. Pourquoi es-tu comme ça? Alors, de quoi est-ce qu'elle parle? Je veux comprendre. Nous sommes des servantes. Et il est impossible pour un prince qu'il épouse une simple bonne. Alors, de quoi est-ce qu'elle parle? Où ai-je tort? Dites-le-moi. Oh, Essayez un peu de vous calmer, les filles. C'est quoi tout ça? Écoutez, la fin justifiera les moyens. J'ai cru que tu avais quelque chose de raisonnable à dire. Je ne sais vraiment pas. Quoi, je ne sais pas. Au cas où vous ne le savez pas, le prince est à moi. Oh mon Dieu. Parole de Chizé. Regardez-moi celle-là. Et qui parle? J'ai dit ma part. Que personne ne se bat avec moi pour le prince. Je ne croyais pas être la seule à vouloir de le prince. Luxe, je le veux au palais. Aussi. Ok. Que personne, je veux dire que personne n'ose calculer le prince. Écoute,
ne le prends pas personnellement, car nous sommes tout aussi intéressés. Je veux dire, qui ne voudrait pas être la reine de ce royaume? Madame, ça n'a rien de personnel. Je dis simplement que le prince est à moi. C'est juste un rappel. Le prince. Qu'êtes-vous en train de faire là? Et toi, Clara? Oui, princesse. Clara? Ma princesse. Clara? Ma princesse. Comme tu peux le voir, je suis en train de voyager avec ma mère. Donc, tu t'occupes de la maison. Est-ce que c'est clair? Oui, ma princesse. Très bien. Hé, hey, toi, va ouvrir le portail. Ah, néné. Regardez-moi ce feignon. Où est-ce qu'ils vont comme ça? Tu dois être stupide pour me poser cette question. Pourquoi n'as-tu pas demandé qu'elles étaient là? Je ne m'adressais pas à toi, madame, je sais tout. Waka, c'est toi, monsieur, je sais tout. Regarde ce beau arrière-haut. Si jamais tu me traites encore de la sorte, tu auras fait à moi. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce qu'elle t'insulte? Que se passe-t-il? Peux-tu le croire? Écoute, je ne suis pas ton égal. Fais attention à la façon dont tu me parles. Que le tonnerre te frappe. Que le tonnerre te frappe. Que le tonnerre te frappe. Écoute, si tu m'insultes encore, je vais te battre et il ne va rien se passer. Obi, calme-toi, calme-toi. Ça suffit, ça suffit. Et tu crois que je vais pleurer pour toi? Je vais te battre. Tu crois que je vais pleurer pour toi? Non, je dis, c'est pas suffisant. Comment est-ce que je peux rien pour me traiter de la sorte? Attends, suis-je ta camarade? Suis-je ta camarade? Il parle ses fermons avec sa bouche, il ne peut pas te toucher. Et nous le savons. Comme ça, tu ne connais plus les gens de ta classe? Tu ne connais plus tes égaux parce que je ris avec toi. Tu me rends parce que je ris avec toi. Parce que je rigole avec toi. Mais tu es que je force la vie. Hé, tu ne me traites pas dessus. Sale animal. C'est pas ton problème. Qu'est-ce que tu racontes? Allons-y. Regarde-toi. Ferme-la. Dégage. Allez, dégage d'ici. N'importe quoi. Tu oses me pousser? Dégage. Mon ami, dégage. Va-t'en d'ici, toi. Va voir si j'y suis. Toi-même dégage, foutaise! N'importe quoi! Regarde, tu suis ma personne, fais mes entrées! Regarde comment est-ce que j'ai d'animal castré! Regarde, allez! N'importe quoi! C'est bon! Allez, viens me battre! Allons-y! Tu veux me battre? Allons-y! Idiot! Je pense que le prince est de retour. Pardon, entrez où? A-t-il une autre maison que celle-ci? Regarde-toi. Hé, hey, tu ne sais plus de quoi tu parles. Ne sais-tu pas que tous ces étrangers préfèrent vivre à Lagos avant de revenir en ville? Ah, ça veut dire que je vais me mettre en forme pour son arrivée. Regarde-toi. Qui parle? Écoute-moi, laisse-moi te dire. Ah. Si tu veux, mets-toi en forme comme tu veux pour attendre l'arrivée du prince. Ce qui doit arriver, arrivera. Oh, ferme cette chose qui te sert de bouche. Que veux-tu dire par là? Le prince est à moi. Oh, s'il te plaît, ferme-la. De quel prince parles-tu? Prince par-ci, prince par-là. Le prince du royaume d'Oumuago est à moi. Chizi. Hé, hey, t'es une mouche qui se prend pour un oiseau. Quelle rêveuse. Vous voyez cette danse que nous sommes sur le point de faire. On verra qui sera la meilleure danseuse. Tais-toi! Amaka, regarde-moi très bien. Juste, regarde-moi très bien.
J'ai l'air d'une servante de basse classe. Je veux dire, j'ai l'air de faire partie de ta classe. On n'est même pas comparables. En ce qui concerne la danse, mais non la danse. Voyons qui sera le vainqueur. N'importe quoi. Regardez qui parle. Nous sommes toutes des servantes, donc. Nous sommes des servantes, s'il te plaît. Je ne suis pas comme vous. Alors, je suis une servante de première classe. Hey! Hey! Première quoi? M'avez-vous bien vue? Qu'est-ce que c'est? Servante de première classe. Je reste une servante. Si tu n'en étais pas une, alors que fais-tu ici? Regarde-moi bien. Qu'est-ce que tu fais ici avec ce torchon? Tu voulais me voir? Oui. C'était il y a longtemps. Que faisais-tu? Le plus important, c'est que je sois là. Ok, d'accord. J'aimerais te demander quelque chose de très important. En tant que garde en chef de ce palais, je sais que tu as 45% de vices qui se passent dans ce palais. Où veux-tu en venir? Tu as conduit Lolo et la princesse hors de ce palais, n'est-ce pas? Alors je me demandais si tu sais où elles sont allées. Clara, la vérité, c'est que je n'ai fait qu'aller les déposer à l'aéroport, puis je suis rentré au palais. Mais attends un peu. Est-ce qu'il y a un problème? C'est toi qui me demandes cela? Je pense que le prince est de retour. Oui, je pense qu'elles sont allées à Lagos le voir. Le prince est de retour et elles vont à Lagos pour le voir. Pourquoi irait-elle à Lagos le voir au lieu de l'attendre ici? Écoute, Uche, nous savons tous que le prince a quitté ce village après sa naissance. Il ne connaît pas cet endroit. Alors, je pense qu'elles sont allées à Lagos pour le ramener à la maison. Je pense que tu as raison sur ce point. Mais en tout cas, ce ne sont pas mes affaires. Uche, s'il te plaît, arrête. Ok, arrête ça. Tu sais, après le dernier Ofala de notre roi, le prince doit devoir prendre une femme avant de monter au trône. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Voilà. Tu sais que t'es mon ami, hein? Tu sais que t'es mon ami, hein? Nous sommes partenaires. Chef des gardes, chef des servantes. Écoute, j'aimerais que tu fasses ma propagande. Mais pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce qui t'amuse? Désolé. Clara, tu aimerais que j'aille faire ta compagne. Mais pour qui est-ce que tu te prends? Tu es intéressé par le trône ou quoi? Uche, s'il te plaît, arrête. Arrête de rigoler. Écoute. Quand je deviendrai la reine de ce royaume, je dois te rendre riche, très populaire et puissant. En fait, je ferai de toi le plus jeune du cabinet. Ah oui, j'en ai fini de cette conversation. Uche! J'en ai terminé. Uche, ne sois pas méchant! Uche! Mon frère, j'aimerais te demander quelque chose. Je ne sais pas, je ne comprends pas toutes ces filles. Surtout Clara. Elle passe son temps à bouger son derrière. Je veux dire, pense-t-elle que c'est en secouant son derrière que le prince va l'épouser? Mon frère, qui sait? Qui sait si le prince aime le derrière? Oh, mon Dieu! Écoute, elle ne secoue pas son derrière parce que le prince revient. Crois-moi, elle le fait depuis longtemps. Tu vois, Obi, parfois, je nous vois comme des véritables moins que rien. Ouais. Et pourquoi dis-tu cela? Ok. Tu vois cette fille qu'on appelle Clara.
Cette fille exagère. Elle en fait tellement trop. Elle passe son temps à traîner son derrière de partout. Hey! Qu'est-ce qui t'amuse maintenant? Écoute, mon frère. Ça, c'est ce qu'on appelle. Une chose doit tuer homme. En effet, une chose doit bien tuer un homme. Is that what we're doing? Hey. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de causer. Oui. Tu ne connais plus tes égaux? Je les connais. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Avant que la reine ne pense que je te corrompe. Oui, ma reine. Comment le sais-tu? Madame, peux-tu te calmer? Ah, tu es trop pressée. Monsieur parle. Comment l'as-tu appris? J'ai entendu la reine et la princesse parler de la venue du prince alors que je les conduisais à la maison. Elle a aussi dit qu'elle a trouvé un nouveau garde pour le prince. C'est très bien. Vraiment? Mais... sais-tu quelque chose à propos de la date? Clara, et calme-toi, non? Hey, je n'étais pas branchée. Je ne m'adressais pas à toi. Clara, j'ai une question à te poser. Que se passera-t-il si le prince rentre et déteste le genre de personne que tu es? Que se passera-t-il? Que les dieux frappent cette chose qui te sert de bouche pour avoir dit ça. Idiot. Clara, un peu de respect. Tu devrais avoir peur. Je vais t'en mettre une. Voyons. Écoute, Clara. Je vais... Écoute, écoute-moi très bien. Hein? J'accepterai n'importe quoi de ta part, mais certainement pas des insultes. Ne la refais plus jamais, jamais. Mon cher, tu t'es insulté le premier, oui. Alors quoi que tu reçoives de moi, tu le mérites. Rectificatif, Clara. Je ne t'ai pas insulté. Je t'ai posé une simple question. Alors t'avises plus jamais de ta misérable vie. Osez m'insulter. Alors ne pose plus de bêtes questions, tu d'accord? Tu es vraiment stupide. Tu es un garçon stupide. Tu es vraiment très stupide, petit con. Ouais. J'en ai fini avec cette conversation. C'est quoi tout ça? N'importe quoi. Regardez-moi celle-là. Regarde, c'est honte. Désolée, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, Clara et... comment ils s'appellent? Tout le temps, des disputes. Je ne sais pas ce qui se passe entre eux. Je pense qu'ils ont quelque chose en tête et ils ne veulent pas nous en parler. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Peux-tu imaginer ces conneries? Retournez tous à vos postes. Mais je viens tout juste d'arriver. Retournez à vos postes. Allez-y. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Retourne à ton poste. C'est ton poste, là-bas. Exceptionnel. Un mot dur. Retournons à nos postes. Ne t'en fais pas. Je vais m'occuper d'elle. Retourne à ton poste. Hé, reviens prendre ces chaises. Moi, je ne peux pas toutes les porter. Lève-toi, non? Tu m'as demandé de ramasser les chaises. Lève-toi pour que je la porte. Tu me commandes? Hein? Bien, voilà la chaise. C'est quoi ce... Hein? Ah! Idiote.
N'importe quoi. Elle traîne ce derrière partout. De l'énergie gaspillée. Ok, l'interview va maintenant commencer. J'aimerais que vous vous pliez tous aux règles. Vous serez disqualifié si vous allez à l'encontre de toutes ces règles. Est-ce que c'est clair? Oui, princesse. Ok. Uche, fais-les entrer un par un. Ce sera tout pour le moment. D'accord, ma princesse. Que tout le monde retourne à son poste maintenant. Retournez à vos postes, tout de suite. Jeune homme, vas-y, entre. Va à l'intérieur. Non, reviens, reviens. Toi, va en premier. Tiens-toi là-bas. Va à l'intérieur. Rentre, rentre. Vas-y. Rentre. Ah. Vas-y. Rentre. Regarde par ici. C'est ça, oui, c'est ça. Je dois tester ton énergie. Nous ne sommes pas là pour dormir. Toi, va à l'intérieur. Djebenono, Jojo, Bosika, Moisi. Viens. Et c'est quoi ton nom? Okoro. Pardon? Okoro. Okoro. Je vous présente Okoro. C'est le nouveau garde du palais assigné au prince. Mais pour l'instant, il travaillera avec nous avant le retour du prince. Sois le bienvenu. Bienvenue. Sois la bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu n'as pas besoin de sourire, jeune homme. Vois-tu, nous avons des règles dans ce palais. En premier, pas de sommeil pendant le travail. Deuxièmement, aucun langage grossier n'est accepté dans ce palais. Tu ne désobéiras à aucun de tes collègues que voici, y compris moi. Tu vois ce portail là-bas? C'est là-bas ton poste de travail. Tu n'as pas le droit de quitter ce portail sans mon consentement. Sinon, tu seras puni. Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Donne-lui son outil et emmène-le à l'intérieur. D'accord. Vous m'avez appelé? Enlève-moi tes chaussures. Pardon? Que t'ai-je dit à propos des règles vestimentaires de ce palais? Je veux dire, c'est quoi ça? Enlève-les! Retire-les et dépose-les sur la table, maintenant. Hey, Seigneur. Ok. Okoro.
Que signifie ceci? C'est... Ferme-la. Ne t'ai-je pas prévenu à propos des vêtements et des sons dans ce palais? C'est la seule chaussure que j'ai. C'est la seule chaussure que tu as. Vous m'avez prévenu de ne plus porter les blancs, donc ce sont les seuls qui me restent. Dégage. Que se passe-t-il ici? Je vous salue, princesse. Il a confisqué mes chaussures. Il a pris tes chaussures? Pourquoi as-tu pris ces chaussures? Ma princesse, ceci est interdit dans ce palais. Ces chaussures ne sont pas des sangs. S'il vous plaît. As-tu une autre paire? Ah oui, ma princesse. Il a confisqué les premiers que je portais. Rends-lui ses chaussures. Je n'ai pas en mesure de lui dire quoi porter ou pas. Remets-lui ses chaussures. J'ai dit remets-lui ses chaussures. Mais ma princesse, je fais mon boulot. Pardonnez. Remets-lui ses chaussures. Merci, ma princesse. Il n'y a pas de quoi. Bonjour, Renaud. Bonjour. Comment tu vas? Tu es le nouveau garde? Oui. Et tiens, je suis le nouveau garde. D'accord. Oh non, vous êtes déjà là? Oui, je suis là. Je vous salue. Soyez la bienvenue. Comment allez-vous aujourd'hui, ma reine? Oh non, je vais bien, mais je ne suis pas heureuse. Pas contente? Oui. La reine du royaume de Mwagou n'est pas contente. Que pourrait bien être le problème, ma reine? Ils ont changé la date. Ils ont changé la date? Oui. Êtes-vous sûr qu'ils ne le feront plus? Non, je ne le pense pas. Parce qu'il savait qu'il est ici pour les funérailles de son père. Je doute fort qu'il la change à nouveau. Parce que, vous savez que sans lui, il n'y aura pas de funérailles. Oui, je le sais. À ce propos, je suis là pour parler des funérailles. C'est dans 3 mois. Ça semble lointain, mais très proche. Comment vous préparez-vous? Oh non, comme vous le savez, les préparations sont en cours. D'accord. Eh bien, je suis contente de l'entendre. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Ça va depuis que vous êtes là. Bienvenue. Salut. Je peux m'asseoir avec toi? Okoro, c'est un palais et nous travaillons tous les deux là et non un restaurant. Donc s'il te plaît, cesse de me demander si tu t'assois ou pas. Ok, merci. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, Clara, t'es une belle femme. C'est ce que tu veux? Je veux dire non. J'aimerais qu'on devienne amis. Okoro, c'est ça? Oui. Bien.
Comme tu peux le voir, nous sommes tous des amis ici. Nous faisons tout ensemble. Oui, je sais tout ça, ok? Mais j'aimerais qu'on devienne des amis proches. Vraiment, très proches. Écoute, je ne sais pas où tu veux en venir. Mais tu vois ce truc dont tu parles là? Ça ne m'intéresse pas. Tu peux trouver quelqu'un d'autre. Écoute, je suis très sérieux dans mes propos, ok? Je suis très sérieux. J'aimerais qu'on soit des amis proches. Des amis très proches. Écoute, Okoro, je ne veux pas m'énerver contre toi. Je ne veux pas. Donc, s'il te plaît, respecte-toi. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas de relation avec toi. Alors, pourquoi m'embêtes-tu? Hey, calme-toi, ok? Relax. C'est bon, j'ai compris. Mais je... Plus un mot de ta bouche. S'il te plaît. Écoute, je veux juste... Écoute, je veux juste faire connaissance avec toi. But you know it's you. You know it's you. A woman will go love me for who I am. A woman will go love me for not what I am. Baby, oh, 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 yeah. Je suis désolé de vous avoir fait venir là, mais vous êtes mes frères et j'aimerais parler de quelque chose avec vous. Et cela me préoccupe vraiment. Il s'agit de Clara. J'aime vraiment cette fille. En fait, elle occupe toutes mes pensées. Et je ne peux m'empêcher. Je suis confus. Mec, t'es assez pour courir après les femmes. Hein? T'es assez pour courir après les femmes? Je te jure. Je ne te comprends pas, Okoro. Ça fait seulement une semaine que tu es dans ce palais. Tu es déjà perturbé à cause d'une femme. Ça me dépasse. Hein? Dites-lui. Écoutez, je ne fantasme pas sur elle, d'accord? J'aime vraiment cette fille. Et j'aimerais faire d'elle mon épouse. Hé! Hey, Shineke. Bien. Pour Gota. Pour Mokota. C'est quoi ton nom déjà? Okoro. 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 Réveille-toi de ce rêve. Hmm? Okoro, réveille-toi de ce rêve. Ça ne t'avantage en rien. Ouais. Tu ferais mieux de te réveiller, gros rêveur. Ah ah. Tu aimes Clara. Ok, laisse-moi te poser une question. As-tu pensé à tes origines? Hein? Tu t'imagines avec Clara? Mais vous êtes différents, voyons. C'est pas la même classe. Aussi classe qu'est cette fille, tu es parti vers elle. Clara n'est pas la seule, mais toutes les servantes. Écoute, prends juste une partie de mes conseils. Ne te gêne surtout pas à aller vers elle, parce que tu recevras l'insulte de ta vie. T'avises même pas. N'ose pas. Tiens-le quoi. Mon frère, tu vois, les femmes sont imprévisibles. Elles sont comme ça. Tu ne pourras jamais vraiment connaître une femme. Elles sont imprévisibles. C'est 50-50. Ça pourrait marcher comme ça ne pourrait pas. Mais quel que soit ce qui en ressort, sois juste prêt à encaisser. Outhé, arrête de le tromper. Laisse-moi te dire, Okoro. Utilise plutôt ton temps pour faire quelque chose d'utile. Ne dis pas que je t'avais pas prévenu. Ok, c'est bon, mes frères. Je vous ai tous entendus, ok? Et merci pour vos conseils. Mais il y a une chose que j'aimerais éclaircir ici, c'est que je dois épouser Clara. Et vous allez tous assister à mon mariage. Gloire à Dieu. Ok, les gars, retournez à vos postes. Je te le déconseille. Hey, dégagez de là. Mais pourquoi tu portais des sandales? Que je les revoie encore. N'importe quoi. Pouvez-vous le croire? Cet idiot veut bloquer ma destinée. Ta destinée? Oui, bien sûr. Ma destinée. Le prince est ma destinée. Et cet idiot veut la bloquer. Pardon, excuse-moi. Si le prince est ta destinée, alors qu'est-ce qu'il est pour moi? Ton beau-frère. Les filles, j'ignore de quoi vous parlez, mais j'aimerais vous dire quelque chose.
Je ne peux plus attendre que le prince, mon mari, vienne me chercher pour m'emmener avec lui. J'ai trop hâte. Je ne te comprends pas. Je veux dire, je ne te comprends pas. Je croyais que tu étais amoureuse, Toby. Et alors, ai-je demandé ton opinion? Madame, 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 restons dehors de ça. Tu as déjà été prise. En fait, tu es fiancée. Je suis prise par toi. Regardez celle là-haut. Attendez. Pourquoi l'on se bat pour quelqu'un qui ne sait même pas qu'on existe? Pourquoi? Arrêtons. Madame, le prince est au courant de mon existence. Et je sais qu'il a vu mes photos dans le téléphone d'Adézé. Compris? Écoute, Clara. Laisse-moi te conseiller comme une très bonne sœur et une amie. Si tu sais ce qui est bien pour toi, va voir Okoro, demande-lui pardon et accepte sa demande. Parce que... Regarde-moi, Chizi. Je ne pourrai jamais discuter mon prince avec personne d'autre. Chizi, que le tonnerre te frappe. Qu'il te frappe aussi. Que le tonnerre te frappe. Cela va de même pour toi. C'est quoi ton problème? Tu recommences encore? Tu as recommencé, Chizi. Les filles, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez tout ça. C'est quoi tout ça? Clara, Chizi a raison en quelque sorte. Et dis-lui. Okoro t'aime vraiment. Pourquoi te bats-tu pour quelqu'un que tu n'as jamais vu, alors que tu as quelqu'un qui est prêt à faire tout pour toi? Okoro t'aime et je pense que vous êtes tous les deux un match parfait. Ça, c'est un choix facile. Okoro est bon. Il est bon pour toi, pour l'amour du ciel. Enlève tes yeux sur le prince. C'est quoi ton problème? N'es-tu pas une femme? Non, n'es-tu pas une femme? Pourquoi ne pas tu pas voir Okoro et lui dire que tu l'aimes? Et crois-moi, il t'aimera en retour. Il n'est pas venu pour moi, désolé. Oh, tu le sais. Écoutez, il y a un dicton qui dit « Si Mohamed n'était pas allé à la montagne serait allée à lui. Madame, va chez Okoro et crois-moi, il t'aimera en retour. » Et si elle le fait, comme tu le dis, où passera sa dignité en tant que femme? Dignité, tu as dit. Chizi, j'aimerais te poser une question. S'il arrive que le prince revienne et tu as l'opportunité de l'aborder, ne vas-tu pas le faire? Et pourquoi pas? Tu me poses sérieusement cette question? Attendez, attendez. Laissez-moi vous dire ceci. Je ne peux pas descendre aussi bas pour aller à la chasse d'un homme. La seule chose que je peux faire, c'est te donner des signaux. Et si ça ne marche pas, Ojo va simplement se retourner et elle s'en ira tranquillement. S'il te plaît, je ne suis pas comme toi. Qui se bat pour un homme qui ne la regarde pas, qui ne se soucie pas et qui ne la gère même pas. Et en quoi cela te regarde? Oui, c'est mon problème. Et alors? En quoi cela te regarde? Je veux qui je veux. Si tu aimes trop Okoro et t'en fais pour lui, va donc le voir. Tu devrais avoir honte de toi. Quelle connerie. Laisse-moi m'en faire pour ça. Mais Clara, tu sais bien que Okoro t'aime vraiment. Vous ferez le couple parfait. Je me demande pourquoi on passe par mes chemins pour une histoire qui est déjà résolue. Pourquoi l'obligez-vous à aller chez quelqu'un qu'elle n'aime pas? Et regarde-toi, tu penses que Koro posera les yeux sur toi un jour? Et de quoi je me mêle, hein? En quoi ça te concerne, qu'elle me regarde ou pas? Mais attends, Amaka, je croyais que tu avais quelqu'un dont tu étais follement amoureuse. Pourquoi te prépares-tu pour la venue du prince? Demande-lui, oh. Pourquoi? Demande-lui. Pourquoi? Je ne comprends pas. Réponds. Koro, laisse-moi te dire. J'aimerais te dire quelque chose. Écoute, cette Clara n'est pas ton genre. Elle n'est pas pour toi. Ah, ne vois-tu pas, Chizi? Elle t'aime. Choisis-la plutôt. Ou ne l'as-tu pas encore remarqué? Remarqué quoi, Obi? Hein? Remarqué quoi? Écoute, je n'ai rien remarqué du tout. Même si c'était le cas, Clara est celle que je veux et non Chizi. Mais le problème est qu'elle n'arrête pas de me repousser et je ne sais pas pourquoi. Monsieur, veux-tu arrêter de cultiver ou tu ne récolteras pas? Ne le comprends-tu pas? Eh bien, je suis désolé de vous décevoir, mes frères. Je n'arrêterai pas de cultiver. Et croyez-moi que très bientôt, je récolterai mes produits. Okoro, écoute, tu sais, il y a une chose que je déteste chez toi. Ton assurance est ton plus gros défaut. Nous qui connaissons Clara, te donnons des conseils. Tu es là à nous demander de te faire confiance qu'un jour tu récolteras sur les terres de qui? Sur les terres de qui? Mon vieux, fiche-lui la paix, s'il te plaît.
Ce qui n'a point marché pour Salomon pourrait marcher pour Emeka. Exactement. Laisse ce jeune homme tranquille. Ah, en fait, c'est de ce genre d'encouragement dont j'ai besoin et pas ça. En tout cas, je te souhaite bonne chance. Merci, c'est ce que je veux entendre. Arrête de rêver. Bonne chance. Arrête de rêver. Qu'est-ce qui se passe ici? De quoi discutez-vous? Occupe-toi tes affaires. Occupe-toi tes affaires. Ce dont nous parlons ne te regarde pas. Ah! Okoro, Okoro, prends ceci. Ah, merci. Je t'en prie. Adam avait mangé la pomme. Donc, c'est à toi de voir. Tu vois maintenant. Voilà. On t'avait prévenu. Voilà. Mange ta pomme et remercie Dieu. Au moins toi, tu en as une qui s'en fait pour toi. C'est juste un cadeau, les gars. Qu'est-ce que je t'ai dit? Juste un cadeau. C'est un cadeau. Pourquoi pas nous? Où est Okoro? Je ne sais pas où il est. Tu ne sais pas où il se trouve? Ok, préviens-moi quand il rentre. D'accord. D'où est-ce que tu viens? Je suis sorti faire un tour. Seigneur, tu es sorti faire un tour. Avec la permission de qui? Réponds-moi. Qui t'a donné la permission? Okoro. Qui t'a donné la permission? Tu es malade? Qui t'a donné la permission? Mets-toi à genoux. À genoux! Que ce soit la toute dernière fois que tu quittes ce palais sans ma permission. Assure-toi qu'il reste planté là. Okoro, pourquoi es-tu à genoux sous le soleil? Qu'est-ce que t'as fait? Rien. Juste parce que je suis sorti. Tu es sorti faire quoi? Je suis sorti pour faire un tour. Et tu n'as rien dit à Outi avant de sortir? Suis-je obligé de prévenir avant de sortir? C'est une raison pour me gifler? Okoro, on te l'a dit le premier jour de ton arrivée dans ce palais. S'il te plaît, ne commence pas, d'accord? Je veux dire, personne ne m'a dit cela. On te l'a dit le premier jour que tu es arrivé dans ce palais, que personne ne va hors du palais sans permission. Bien, je suis désolé, d'accord? Je suis désolé, mais cela ne lui donne pas le droit de me frapper ainsi. Tu es censé le dire à Oti et pas à moi. Désolé. Psst.
Arrête de le secouer comme ça. Qu'est-ce qui t'a mis à genoux? Princesse, c'est moi. Tu lui as demandé de s'agenouiller? Je suis en train de te poser une question. Va à l'intérieur. Va à l'intérieur tout de suite. Que se passe-t-il? Ma reine, il a quitté le palais sans ma permission. Et où étais-tu? Je suis désolé, ma reine. Je suis sorti juste faire un tour. Ne sais-tu pas que sortir de ce palais sans permission est une offense? Je suis désolé, ma reine. Je suis au courant, mais j'ai oublié de lui dire. Vraiment? Ok. Je te déteste. Qu'il ne se lève pas. Clara, s'il te plaît. Hein? Écoute, je ne viens pas vers toi pour de l'amitié. J'aimerais t'épouser, je t'aime vraiment beaucoup. Dis juste oui à ma demande et je viendrai directement voir tes parents. Attends. C'est pour cette raison que tu m'as appelé ici? Tu dois être malade. Clara, s'il te plaît. Arrête! T'avises plus! Jamais à poser tes sales pattes sur moi! Idiot! Regarde-moi celui-là. Okoro want to honey marry baby, make her me wife oh, but he no easy oh, he no easy oh. Woman we go love me. Clara, mais où est-ce qu'elle est passée cette fille? Ma princesse, as-tu perdu la tête? As-tu perdu la tête? Ma princesse, pourquoi l'as-tu frappée? Ma princesse, pourquoi l'as-tu frappée? Désée, pouvez-vous croire ce garçon? Ma calme-toi. Je m'occupe de ça, ok? Non, maman. Elle doit me dire, pourquoi est-ce qu'elle l'a frappée, Désée? Va à l'intérieur tout de suite. Tout de suite. Je vous salue, ma reine. Que se passe-t-il? Ma reine, c'est ce petit con. Depuis son arrivée dans ce palais, il me fait des avances. Je lui ai dit que je ne voulais pas et que ça ne m'intéresse pas. Il n'arrête pas de me suivre partout. Et aujourd'hui, il m'a appelé derrière la maison pour me dire la même chose encore et encore. Je voulais lui tourner le dos. Et il m'a retenu. Je ne sais pas quand je lui ai mis une gifle, ma reine. C'est ce qui s'est passé? Oui, ma reine. Mais la vérité dans cette histoire, c'est que je ne lui fais pas des avances pour de l'amitié. Je lui ai dit que j'aimerais l'épouser. Oui. Et je t'ai dit exactement non. Le mariage est forcé. L'as-tu entendu? Le mariage n'est pas forcé, Okoro. Ça ne l'est pas. Oui, ma reine. J'espère que ça ne va pas se répéter. Oui, ma reine. Retourne à ton poste. Merci, ma reine. Dégage. Désolée, ma reine. True love is hard to find you. Hard to find you. But when you see a girl,
Qui est-ce? C'est moi, Okoro. D'où viens-tu, Okoro? Je suis sorti. Tu es sorti? Qui t'a donné la permission de quitter ce palais? J'étais juste dans le coin, et c'est tout. Tu étais juste dans le coin, et c'est tout. Je le répète encore. Qui t'a permis de quitter ce palais? Ne t'ai-je pas prévenu de ne pas quitter ton poste de travail? Mais je suis allé voir les environs et c'est tout. C'est tout. Allonge-toi. Quoi? Je ne veux pas me répéter. J'ai dit allonge-toi là-bas. Maintenant. Va me chercher le fouet. Non, reviens. Viens, tiens-moi ceci. Okoro, qui t'a donné la permission de quitter ce palais? Ote, s'il vous plaît, sortez-la! Pardonne-le, la faire! Que la prochaine fois, il ne le refasse pas! Ce gars a la tête dure! C'est quoi ton problème? Tu es inhumaine, Clara! Okoro! Tu es inhumaine! Ote! Ote, s'il te plaît, pardonne-le, s'il te plaît! Si quelqu'un me touche, allez, dégagez de là! Ote, s'il te plaît, non, je t'en prie! Okoro! Ote, s'il te plaît, laissez qu'on le fouette! Je t'ai dit. Laissez qu'on le fouette! Comme ça, laissez qu'on le fouette! Je t'ai dit! Inhumaine. Ce gars est trop têtu! Ferme-la! Fouette-le, très bien! Ote, aie pitié de lui! Donne-lui une instruction! Donne-lui une très bonne leçon! Papa, pardonne-le, s'il te plaît! Pardonnez quoi? Papa, pardonne-le! Que je fasse quoi? S'il te plaît! Je lui pardonne! Que je fasse quoi? Regardez-le, tu es fou! Okoro, qui t'a donné la permission de quitter ce palais? Ote, s'il te plaît! Attends! S'il te plaît, pardonne-le, je t'en supplie! S'il te plaît! Donne-la! S'il te plaît! Ote, s'il te plaît! Est-ce que vous allez dégager de là? Ote, je t'en prie! Ote, je ne le ferai pas! Laisse-le tranquille! Laisse-le tranquille, c'est un être humain comme nous! S'il te plaît, laisse-le tranquille! Ote, je t'en supplie! Ote! Laisse-le tranquille! Laisse-le tranquille! Ouvre la porte! Merci! S'il te plaît! Et toi? Désolée! Tu l'as bien mérité! La prochaine fois, tu ne quitteras pas ce palais sans la permission! Espèce de dégage! C'est quoi ton problème? C'est quoi votre problème à toutes les deux? C'est quoi ton problème? Clara! T'es quel genre d'être? Il ne t'a même pas bien fauté, oh! Il ne t'a pas fauté! La prochaine fois! Plus et tu ne vas pas aimer ça! Que vas-tu faire? Tu verras ce que je vais te faire! Que vas-tu faire, sale gars? Tu veux ça? Que vas-tu faire? Tu veux savoir ce que je vais te faire? Clara, tu veux savoir ce que je vais te faire? Tu veux savoir de quoi tu es capable, n'est-ce pas? Tu es méchante, tu veux te battre, tu es une mauvaise personne. Tu veux te battre, Clara? Allez, dégage! Mais Clara! Que rien! Espèce d'idiote! Tu veux mourir pour une personne qui ne t'aime pas? Allez, dégage! Et ce n'est pas pour plaisir! Allez, viens! Fais pas! Allons-y! Okoro, comment tu vas? Je vais bien. Ça va. Je t'ai apporté à manger. Quoi? Comment peux-tu faire ça? Mais t'as entendu ou t'es dire que je n'aurai pas à manger aujourd'hui? Écoute, je n'en veux pas, ok? Je ne voudrais pas te causer plus de problèmes, s'il te plaît. Je ne l'ai pas apporté ici. C'est derrière la maison, près de la porte de cuisine. Quand tu iras, tu verras la nourriture et de l'eau. Mais s'il sortait et ne me trouvait pas ici,
Ce serait notre problème. T'inquiète, vas-y, s'il vient, je lui dirai que t'es à l'hôpital, quoi. Et que je suis là pour te remplacer. T'es sûre? Absolument. Dépêche-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Merci. Je t'en prie. Tizi, qu'est-ce que tu fais planter là? Encore est allé prendre quelque chose dont je... Et je me tiens là à son poste en attendant. Je ne comprends pas. Quand est-ce que cela a commencé? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est quoi ton problème? Eh bien, quoi qu'il en soit, il y a toujours une première fois à tout. Hey, Tizi, j'ai un œil sur toi. J'ai un œil sur toi. Pour quelle raison juste? Pour quelle raison juste? C'est quoi ton problème? Biko, je n'ai pas ton temps. Je n'ai vraiment pas ton temps. Tizi, tu n'as pas mon temps maintenant. Tu n'as pas mon temps maintenant. Mais n'oublie pas. Akanadienike, Mawrotanaru, Oganatensi. Peu importe. Je rêve ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Hey! Lâche tout de suite cette nourriture. Dépose-moi ce bol tout de suite. Tu es fou. Dépose-le. Sors cette viande de ta bouche. Tu as perdu ta langue. Allez, sors-moi cette viande de ta bouche. Wow. À présent, tu manges du bœuf. Tu es venu dans ce palais pour manger. Prends ce bol et suis-moi. J'ai dit, prends ce bol et suis-moi. C'est ça mon instruction. Tes égaux sont là à jeûner, dans des églises. Toi, tu es venu manger dans ce palais. Désolé, j'ai faim. Pardon? J'ai faim. J'ai faim. Tu mourras de famine. Suis-moi. Tu es venu dans ce palais pour manger. J'ai été encore la nourriture dans la bouche. Okoro, qui t'a donné la nourriture? Qui t'a donné ce repas? Réponds. Qui t'a donné ce repas? Qui t'a donné ce repas? Je lui ai donné le repas. Tu lui as fait quoi? Tizi! Hey! Uchi, pitié, je suis désolée. Je ne pouvais pas le voir mourir de faim. Donc, je lui ai apporté à manger. Tu ne pouvais pas le voir mourir de faim? Oui. Donc, tu as dû lui donner à manger. Sans ma permission. Je suis désolée. Viens là. Viens près de moi. Tiens-toi là-bas. Mets-toi à genoux là-bas. Tous les deux. À genoux. J'ai dit à genoux. Tu es fou. Allez, à genoux. Les mains en l'air. Les mains en l'air. Ne me faites pas perdre patience. Et qu'est-ce que vous faites encore là? Idiote. De retour à vous. Qui t'a permis de lui donner à manger? Je suis désolée. Tu es désolée? Tizi.
Tu viens de dire que tu es désolée. Tizi, je suis désolée. Pourquoi tu t'excuses? Pour la punition que tu as endurée à cause de moi. Je suis désolée. Ça va. Je l'ai fait à cause de mon amour. Oh, Seigneur, et ça recommence. Je veux dire, Tizi, mais c'est quoi tout ça? Hein? Je suis désolée. Écoute, si je savais que tu le faisais à cause de l'amour, je ne t'aurais jamais écouté. Mais je dis que je suis désolée. Ok, c'est bon. Alors dis-moi, pourquoi ne cours-tu pas après le prince comme toutes les autres? Je ne peux pas. Je ne peux pas perdre mon temps à me préparer, lutter, attendre quelqu'un dont je ne sais pas à quoi il ressemble. Ou bien parce que c'est un prince. Et s'il rentrait avec une femme blanche? Et s'il rentrait et nous tournait le dos? Quelqu'un dont nous ignorons le caractère. Même si je sais que j'ai mal agi à cause de l'amour. Hey, c'est très bizarre. Je veux dire, tu ne connais pas mon caractère non plus. Tu ne sais absolument rien sur moi. Depuis le premier jour que j'ai posé mes yeux sur toi, ce jour, j'ai su qui tu es. Et tu es un homme bien. Tu es un bon cœur. Je sais que tu pourrais bien t'occuper d'une femme. Je ne suis pas tombée amoureuse de toi parce que les autres disent que t'es géniale. Je suis tombée amoureuse de toi parce que j'ai vu quelque chose en toi. Oh, voyons, Tizi, cesse de mentir. Rien qu'en te regardant, ça se lit partout sur toi. La déception se lit partout sur toi. Qu'est-ce qui me fait croire que si on se met ensemble, tu ne me quitteras pas après le retour du prince comme toutes les autres filles le feraient? Non, pas du tout. Si je ne t'aimais pas, je ne serais pas venue à toi. Bien que je sache que les hommes n'acceptent pas l'amour qui leur vient sur un plateau d'argent. Écoute, Tizi. Je suis désolé. Mais mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. S'il te plaît. Qui est-ce? Quelqu'un. Salut. Bonjour. Bonjour. Vous êtes qui? Vous êtes nouveau ici. En fait, je m'appelle Ijoma, fille de l'Onowu. Ok, qui souhaitez-vous voir? La reine, mon père m'a envoyé faire une commission. Veuillez patienter là, je vais d'abord l'informer. Attendre ici. Ah, que j'attende ici. C'est qui ce garde? Je suppose qu'il est nouveau. Moi, fille d'Onowu, attendre dehors.
Les filles, vous auriez dû voir ce mec. Oh mon Dieu! Ce gars est trop mignon. Je ne sais pas pourquoi il est garde de palais. Il m'a d'abord énervée parce qu'il m'a fait attendre dehors, mais ce n'est rien, je ne suis plus en colère. Mais ce gars est trop beau. Attends un peu. À quoi nous sert cette conversation? Quelle est son utilité? Je dis simplement que si j'ai l'occasion, j'aborderai ce gars. Il est le rêve de toute femme. Je vous le jure. En ce qui me concerne, je n'échangerai mon prince pour personne d'autre. Hein? C'est avec courage que je l'attends. Ha! Ha! Mais bien sûr. Mais toi alors, tu m'étonnes. Attends, on est combien à attendre le prince? Combien? Tu le demandes? Toutes les filles de ce village, y compris les servantes. Dites-moi, qui va-t-il choisir? La plus chanceuse, bien sûr. Et moi, je serai cette chanceuse. Oui. Bravo, c'est bon. Joseph, Joseph le rêveur. Cher, je ne te déconseille pas de rêver. C'est pas interdit de rêver. J'ai également rêvé la nuit dernière. Mais calme-toi. Vas-y, doucement. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui va bien pousser le prince à te choisir? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu dis? Je ne suis pas belle ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Je n'ai pas dit que t'es pas jolie. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu es jolie. Mais lorsqu'on parle de l'aspect beauté, on parle de nous. Mais je ne comprends pas. C'est que je ne suis pas belle. Qu'est-ce que vous dites? Expliquez-moi. Pourquoi tu dis cela? Je n'ai pas dit ça. Ma sœur, tu es jolie. Je n'ai pas alors dit que tu n'es pas belle. Mais il y a toujours un mais. Mais quoi? Mary, ne prends pas cette affaire à une autre dimension. Elle ne le pensait pas. Es-tu sérieuse? Tu étais de son côté. Arrête, ne va pas de ce côté. Ne me fais pas cette tête. Qu'est-ce que tu racontes? N'as-tu pas entendu ce qu'elle a dit? Ma sœur, tu es belle. Pardon, mais... excusez-moi. Au diable avec la beauté, laissez-moi vous dire en ce qui me concerne. Je suis là, en chair et en os pour attendre le prince. Et je sais que vous ne pourrez pas me le voler. Ah, regarde ce que tu as fait. Mary, ma sœur Mary. Avec les fils, on dirait l'eau que mon père utilisait ce matin. Désolé, non. Uche, viens. Allez, viens. Hein? Que se passe-t-il? Pourquoi le prince n'est-il pas encore là? Et les funérailles du roi approchent à grands pas. Quand est-ce qu'il va rentrer? Quel genre de question c'est que ça? Est-ce que j'ai l'air d'une princesse ou d'une reine? Voyons, Uche, je te connais très bien. Je te connais. Pourquoi t'agis toujours de la sorte? Écoute, t'es le garde en chef de ce palais et je sais que t'es au courant de tout ce qui se passe dans ce palais. Alors dis-moi, quand est-ce que le prince va rentrer? Même si je suis le garde en chef, cela me donne-t-il le droit de tout connaître? Tu n'as qu'à aller dans cette maison, demander à la reine ou à la princesse. Tu es une servante, n'est-ce pas? Je sais que Théo, mais tu dois juste te calmer, mais dis la vérité. C'est parce que j'ai rejeté ta demande. Pourquoi agis-tu de la sorte envers moi? Oh, donc tu sais. Non, tu viens de le dire. Tu sais ce que tu fais. Alors pourquoi ce blablabla? Wasa polo mogo, maina chile koki, koloma koko. Hein? Ok, je vais réfléchir. Mais dis-moi, quand est-ce que le prince va rentrer? Tu vas y réfléchir. Oui. Tu vois, les femmes. La vérité, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, je mènerai mes enquêtes et je t'en dirai plus. D'accord? Tu en es sûr? J'en suis certain. Merci, merci. Ok, allons-y. Réfléchis très bien. Je vais y réfléchir. Okoro, qu'est-ce que tu fais là? Rien. Ne me dis pas rien. Parce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe. Oh, Juno, je t'ai dit que j'allais bien, ok? Est-ce à cause de Clara?
Oui. Je ne sais vraiment pas ce qui ne va pas chez moi. J'aime Clara énormément. Plus j'essaie de la faire sortir de mes pensées, je me retrouve encore un peu plus amoureux d'elle. Et je ne sais plus quoi faire. Okoro. La Clara que je connais ne va jamais t'écouter. Si tu me demandes, je te conseillerais de rester très loin d'elle. Pourquoi ne pas aller vers Chizzy? Chizzy t'aime énormément. Et en y pensant très bien, vous deux allez faire un foyer parfait. Alors, je peux te demander quelque chose? Vas-y. Est-ce que tu peux vivre avec un homme que tu n'aimes pas? Non. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu me conseilles? Hein? Écoute, Clara est celle que j'aime, et non Chizzy. Je ne dis pas que Chizzy est une mauvaise personne, c'est une bonne fille. Mais Clara est celle que j'aime. Oh Dieu, j'aimerais que tu me fasses une petite faveur, ok? D'accord. Je suis prêt à te payer la moitié de mon salaire si tu m'aides à lui parler. Je sais qu'elle va t'écouter. Okoro, comment serait-ce possible? Écoute, Clara s'est déjà préparée pour le prince de ce royaume. Il n'y a rien que tu puisses faire par rapport à ça. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de si spécial chez ce prince? Hein? Je veux dire, comment peut-elle être aussi folle et désespérée par rapport à lui de cette façon? Tu connais les femmes avec leur nature. Elles ne réfléchissent pas deux fois. Seigneur. Et toi? Es-tu également folle et redingue de lui? Je suis intéressée. Je ne suis pas folle et dingue au sujet du prince. Bien, s'il revient et me choisit, alors ça m'ira. Ce n'est pas une question de vie ou de mort. Mais j'aime Clara énormément. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. La plupart des gardes lui ont fait des avances, mais elle les a tous repoussées pour le prince. Elle se voit tellement grande. Je ne sais vraiment pas quoi dire à propos de cette situation, je n'ai aucune idée. Viens-tu de me dire quelques gardes? Oui. Le chef de garde, Uche, a essayé encore en lui faisant des avances. Mais elle l'a repoussé. Néanmoins, ils ont commencé avant que tu n'arrives. Mais ça n'a pas marché. Oui. Qu'en est-il de moi? Okoro want to honey marry baby, make a me wife oh, but he no easy oh, he no easy woman we go love me for why. Clara, pourquoi me stresses-tu? Je ne comprends pas. À quoi tu joues? Ok, pourquoi ne veux-tu pas accepter mes avances? Écoute, je t'aime tellement. Je ne comprends pas. Ok, et écoute, parce que à ce stade, je perds le contrôle. Je ne t'empêche pas d'épouser le prince. Oui. Nous pouvons être des amis. Et quand le prince sera de retour, vous pouvez continuer où on s'est arrêté. S'il te plaît. Uchi, calme-toi, s'il te plaît. Juste calme-toi, s'il te plaît. Kwani, Koko, abonné Mazi, Nyasiaka. Me calmer pourquoi? Me calmer pourquoi, Clara? Écoute, Clara, tout ce que je veux, c'est toi. Je t'aime. Je ne sais pas en quelle langue tu veux que je te le dise. Je te veux à mes côtés.
Tu es cette partie de moi que je ne peux pas laisser partir. Cette eau, ne le comprends-tu pas? Clara, embrasse-moi. Uchi. Rends-moi juste heureux. Arrête, embrasse-moi. Écoute, si je t'embrasse aujourd'hui, je ne le ferai plus haut. Fais-le d'abord. Tu vois, comme je te disais, tu dois faire attention. Oui. Hein? Dis-leur de nettoyer partout. Hein? Oui. Allez, vas-y, vas-y. Oui, oui, je le dirai. Assure-toi de le faire, oui. D'accord? Et qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu prendre la permission chez vous parce que je voudrais sortir. Tu veux sortir? Pour où? Est-ce vraiment important? Tu m'as demandé de prendre la permission avant de sortir et c'est ce que je suis venu faire. Vraiment? C'est pourquoi tu m'as brusquement interrompu. Hein? Bien, je suis désolé d'avoir débarqué comme ça. Et je suis désolé d'avoir gâté votre petite amourette. Hein? Excuse-moi. Petite amourette? Ouais. Il m'a tourné le dos. Hey, je le savais. Ce gars est un sorcier. Qui a amené ce gars dans ce palais? Hein? Un simple baiser que je demande depuis... depuis 2 ans déjà. J'étais sur le point de l'avoir. Ce gars est sorti de nulle part. C'est quoi son problème? Hey! Mais qu'est-ce que... Mais qui... Qui a amené ce gars dans ce palais? Hein? Maintenant, je me suis levé jusqu'à retomber. Clara. En tout cas, c'est ce qu'on verra. Oubliez ce corps que vous voyez devant vous. Je mérite du respect. Fais attention à toi. Si jamais tu me parles sur ce temps, tu verras ce que je vais te faire. Tu es mal à faire, madame. Que crois-tu pouvoir me faire? Hein? Ok, dis-moi. C'est parce qu'on est similaire que tu penses être plus âgé. Tu penses que tu es plus âgé que moi? Ce même respect que tu veux recevoir de moi, je le mérite tout autant que toi. Si tu ne peux pas te respecter, pourquoi devrais-je le faire? En fait, je ne suis pas venue me disputer avec toi. Je n'oserais pas le faire. Ina, voilà. Tais-toi, je te parle. Si tu oses encore me parler de la sorte, si tu le fais encore, si tu le fais encore, tu verras de quel bois je me chauffe. Ma chère, ferme ta bouche. Elles sont. Ferme-la. Tu ne vas rien me faire. Ferme-la. Est-ce à moi que tu t'adresses? Est-ce à moi que tu t'adresses? Qu'est-ce que tu vas me faire? Je t'avais prévenu. Je ne peux rien me faire. C'est parce que je n'ai personne. C'est parce que je suis seule. Prends ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Prends ça. Dis-le. Vous allez y arrêter? Que vous arrive-t-il? Mais que se passe-t-il ici? Demande-lui. Demande à cette tête de mule. Non, non. Demandez-lui. Faites pas attention à elle. Garde du royaume de Mwago. Elle se bat pour le prince. Elle se bat à cause du prince? Oui. Qu'est-ce qui arrive au prince? Elle se bat pour savoir qui le prince va épouser. Non, mais c'est pas vrai. Comment 2 grandes filles peuvent-elles se battre dans la rue à cause de quelqu'un que vous ne connaissez même pas? Hein? Savez-vous à quoi est-ce qu'il ressemble? Laissez-moi vous demander, si le prince rentre maintenant avec une femme blanche, qu'allez-vous faire? Oh. Hé, toi, allez, tais-toi. Pourquoi fais-tu semblant de ne pas être intéressée par le prince? Écoutez, je ne vais pas mentir. Qui ne voudrait pas être la reine de ce royaume? Mais le prince ne mérite pas qu'on se batte pour lui. Comme vous l'avez dit, et s'il revenait avec une femme occidentale, alors qu'allons-nous faire? Donc je... Vous savez, je vais voir ailleurs. Écoutez les filles, je pense que vous devez rentrer chez vous. Hein? Ça ne sert à rien de se battre pour le prince. Hein? Et si par malheur vous vous blessez avant son retour, il ne vous regardera même pas avec toutes ses blessures sur vous. Toi, où est-ce que tu vas? Je rentre chez moi. Vas-y. Okwagi. Et toi? Rentre chez toi. Okwagi. Rentre! Okwagi. Rentre! Et toi, qu'est-ce que tu fais encore là? Shiyuma. Et toi, t'approches pas de moi.
Maintenant, je sais celui qui empêche Clara d'accepter ma demande. Et qui c'est? Ochi, le garde en chef. Eh bien, il ne la n'empêche pas. Lui, parce qu'il lui fait des avances depuis, bien avant ton arrivée. Mais elle le rejette sans cesse. De ce que je viens de voir, je crois qu'ils sortent ensemble. Oui. Tu mens. Mon frère, j'essaie pas de te convaincre de me croire, mais ce que j'ai vu il y a quelques minutes, je pense qu'ils sortent ensemble. Et comment le sais-tu? Je les ai surpris il y a quelques minutes. Et ils s'embrassaient derrière la maison. Hein? Je ne te crois pas. Ah! Écoute, je n'essaie pas de te pousser à me croire, mais je suis en train de te dire ce que j'ai vu il y a quelques instants de mes propres yeux. Mais depuis quand? Mon frère, je ne peux pas te le dire. Mais tout ce que je sais, c'est que je les ai vus. Bien. Ne t'en fais pas. Je vais le découvrir moi-même. Ne me mêle pas dans ça. Ni vu, ni connu. Monsieur, aidez-moi s'il vous plaît, j'ai faim. Je n'ai pas d'argent pour acheter à manger, c'est pourquoi je traîne dans la rue. Tu as faim? Oui. As-tu pas mangé au palais? Oui. J'ai eu une bagarre avec quelqu'un au palais, et ma punition c'est que j'ai pas droit à la nourriture pendant 2 jours. Tu t'es battu au palais? Oui. N'as-tu pas peur de te battre au palais? Non, Itché, ce n'était vraiment pas une bagarre. On s'est juste disputé et on a été punis tous les deux. À la place de l'arrêt, je t'aurais fait fouetter au lieu de te priver de nourriture. Je suis en train de me rendre quelque part. Je la verrai plus tard. Et je plaiderai pour qu'elle te donne à manger. Mais Itié, vous pouvez toujours m'aider avec de l'argent pour acheter à manger. J'ai vraiment très faim. Je n'ai rien mangé depuis le matin. Hein? Comment est-ce que tu m'as appelé? Kamadjora, ferme ta bouche pour m'avoir appelé, Iti, Djofor. Idiot. N'importe quoi. Iti, au lieu d'avouer que vous n'avez pas d'argent à me donner ou que vous êtes simplement un radin, hein? Iti, Djofor n'est pas votre nom. Aaron, apporte-moi de l'eau. Adakwe Commission, n'oublie pas de prendre l'argent. Je ne fais plus de crédit. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, désolé de vous déranger, mais j'ai faim et j'ai besoin de quoi manger. Tu as faim et tu as besoin de quelque chose à manger? Oui, monsieur. Garde du royaume de Magou. Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème est que je me suis battu avec quelqu'un au palais. Et ma punition est que je suis privé de nourriture au palais pendant 2 jours. Donc, je meurs de faim. Et j'ai besoin de manger. C'est pourquoi je suis sorti du palais chercher de quoi manger. Tu t'es battu au palais. Et on t'a privé de nourriture pendant 2 jours. Oui, monsieur. En tout cas, viens t'asseoir ici pour que je comprenne ce que tu dis. Quitte sous le soleil. Viens.
Tu dis que tu t'es battu au palais et on t'a privé de nourriture pendant 2 jours. Ah oui, monsieur. Et quelqu'un, probablement ton esprit, t'a conduit jusqu'à ma boutique. Ce n'est pas vrai, monsieur. En fait, j'ai croisé 2 personnes en chemin avant maintenant. Et je leur ai demandé à manger, mais ils ont refusé de m'aider. Donc, je passais lorsque je vous ai vu assis là. Mais je suis désolé, si ça vous contrarie, je peux partir, monsieur. Ce n'est pas que je suis contrarié, mais le problème, c'est que je n'ai rien vendu aujourd'hui. Alors, pourquoi un garde du palais de Mouagou se battrait? Ne sais-tu pas que c'est tabou dans cette communauté de se battre au palais? Ce n'était pas de ma faute, je ne sais pas. Le chef des gardes du palais me déteste énormément. Le chef des gardes te déteste? Depuis combien de temps es-tu dans ce palais? Papa, parce que, en fait, je sais que tu es le petit nouveau. Juste moi, et tu bagarres déjà. Maintenant, tu me dis que tu as faim. Désolé, monsieur, si ça vous embête, j'aimerais partir. Ce n'est pas le problème, le truc, c'est que je n'ai rien vendu aujourd'hui. Ok, d'accord. Mais merci beaucoup, mais je dois y aller. T'inquiète, Aaron, apporte-moi du pain et un cacao, s'il te plaît. Merci, monsieur, que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, ajoutez de la sardine, s'il vous plaît. Que le tonnerre te frappe. Quelle sardine? Un mendiant qui a les choix. Sardine. Désolé. Merci. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Si tu veux, finis de manger. Et retourne au palais, bagarrer à nouveau. Monsieur, je promets de ne plus me battre. Je viendrai voir la reine. Je veux savoir comment la reine peut-elle laisser les gardes du palais se battre. Monsieur, si c'est le problème, je peux vous rendre ceci, monsieur. Non. Oui, vous n'avez pas besoin de venir au palais pour dire ceci à la reine. S'il vous plaît, je me ferai doublement punir. S'il vous plaît. Tu promets de ne plus te battre? Promis. La main sur le cœur. Voilà ça, monsieur. Lala, je vous salue. Calmez-vous, c'est quoi le souci? Je n'ai pas aimé ce que j'ai vu hors de ce palais aujourd'hui. Qu'avez-vous vu? Dans l'histoire de ce royaume. Même après le voyage de notre roi, aucun garde n'avait jamais changé de parole avec un autre. Encore moins se battre. Oh non, avez-vous aperçu l'un des gardes se battre? C'est quoi ce genre de question? Ai-je entendu ou ai-je vu qu'il y a eu bagarre au palais? Non, calmez-vous. Non. Ce n'est sûrement pas vrai. Garde! Oui, ma reine. Y a-t-il eu bagarre au palais aujourd'hui? Pas du tout, ma reine. Appelle-moi Okoro. D'accord, Ono. Ono, avez-vous vu Okoro se battre? Attendons qu'il arrive. Vous vouliez me voir, ma reine? Oui, c'est exact. Que s'est-il passé au palais aujourd'hui? Au palais? Que m'as-tu dit lorsqu'on s'est vu en dehors du palais aujourd'hui? Je lui ai dit qu'on m'avait privé de nourriture parce que je me suis battu au palais. Avec qui t'es-tu battu? La vérité est que je ne me suis battu avec personne. Oui, je ne me suis battu avec personne, mais j'ai été privé de nourriture, donc je suis sorti pour chercher de quoi manger. Je suis désolé, ma reine. Dehors. Merci, madame. Et c'était quoi ça? Calmez-vous, Ono. J'ai réglé ce problème. S'il vous plaît, calmez-vous, ok? Cela n'arrivera plus. Vous êtes content maintenant, j'espère. Vous devez mettre les choses en ordre au palais. Ce n'est pas le moment de faire des querelles ou des bagarres. Bien sûr, comptez sur moi. Je le ferai.
Okoro, que signifie tout ceci? Pourquoi m'as-tu fait venir ici? Clara, pourquoi tu fais ça? Pourquoi veux-tu me briser en miettes? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Non, toi, écoute-moi. Si tu m'as fait venir ici pour me raconter les mêmes conneries que tu as l'habitude, je ne suis pas intéressée. Et laisse-moi te dire, l'arrivée du prince de ce royaume arrive à grands pas. Et je ne voudrais pas que tu te places sur mon chemin. Écoute, Clara, je vais démissionner si tu continues à me traiter de la sorte. Qu'est-ce que tu attends? Non, qu'est-ce que tu attends? Tu ferais mieux, parce que je ne dois jamais, jamais accepter ta demande. Lis sur mes lèvres, je n'accepterai jamais ta demande. Pour ton information, j'appartiens à quelqu'un d'autre. Et cette personne est le prince du royaume d'Umuago. Plus tôt tu comprendras ça, sera mieux pour toi. Et je te préviens, si jamais tu m'appelles à nouveau pour répéter ces conneries, je vais t'embarrasser. Je vais te donner une leçon que tu regretteras toute ta vie. N'importe quoi. Le mariage est forcé. Pourquoi m'embêtes-tu? Okoro, reste loin de moi. Reste loin de moi. Je ne t'appartiens pas. J'appartiens à quelqu'un d'autre. Imbécile. Ne l'essaye plus jamais. N'importe quoi. Elles ne m'ont même pas dit qu'elles allaient au marché. Mais tu sais quoi? Je m'en fous. Ce qui va arriver, arrivera. Il ne s'agit pas d'aller au marché. Il ne s'agit pas de courir au marché, non. Hein? Ne t'en fais pas. Je saurai quoi faire. Aïe! Comme je l'ai dit, je m'en fous. Les dieux savent déjà qui le prince va choisir. Elles peuvent continuer dans cette voie. Ce ne sont pas mes affaires. On ne sait même pas s'il est marié ou pas. Tu m'étonnes. Et si le prince rentrait avec une femme blanche, en fin de compte? On va l'accepter, non? Est-ce qu'on a le choix? On va toutes se retirer? Hein? Eh bien, en ce qui me concerne, personne ici ne sera mieux vêtu que moi ce jour-là. Ce jour-là, ton cousin et Mago, tu vois ce marché où elles sont allées? Elles ne m'y feront pas. Donc toi aussi, tu te bats. Ne te prépares-tu pas pour ça? Je le suis. Très posément. S'il te plaît, je me souviens que j'allais quelque part avant de... Ok, à bientôt. Je m'en vais. Uchi, s'il te plaît, ne dis rien à Lolo à ce sujet. Je pense qu'il sera bientôt là. Uchi, ne l'écoute pas, oh. Va là dedans et dis à Lolo qu'il est parti depuis le matin et il n'est pas encore revenu. Tizi, ah, si tu veux mon avis, je pense que tenir Lolo au courant est la meilleure idée en ce moment. Et s'il lui était arrivé quelque et chose... Et puis le tort me tombera dessus. Exactement, tu vois. Mais Facho... Donnons-lui encore un peu de temps. Il pourrait revenir bientôt. Je crois vraiment qu'il reviendra. Regarde l'heure et tu demandes qu'on lui accorde du temps. Comment serait-ce possible? Moi, je ne veux pas de problème. Alors que faire à présent? Je ne sais pas. Mais donnons-lui encore un peu de temps, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qui se passe ici? Uchi, qu'est-ce qui se passe ici? Okoro a quitté le palais depuis ce matin. Depuis ce matin? Et il n'est pas rentré. Est-ce qu'il a dit où il partait? Non, ma princesse. Ok. Ne croyez-vous pas qu'il aurait démissionné? Ah, non, Clara, je ne suis pas d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu racontes? Viens, Clara. T'a-t-il dit quelque chose? Hein? Oui. Oui, il l'a fait. Il m'a dit que si je refuse ses avances, il va démissionner. Hein? Mais je ne sais pas s'il a démissionné ou... Je ne sais pas. Clara! Pourquoi es-tu si méchante? Bien, Chizzy, respecte ton vieil âge. Non. C'est toi la méchante. Ça suffit. C'est toi la méchante. Arrêtez, ça suffit. Mais c'est entièrement de sa faute. Fermez-la. Je ne veux plus entendre quoi que ce soit.
Dégagez. Partez. Il a dit de partir. Dégagez. Y compris toi. Allez-vous-en. Tu n'as pas compris. Obi, allez, va-t'en. Toi. Dégagez. Toi, va-t'en. Toi. Dégagez. Ifi, dégage. Obi, Ouchez. Désolé. Dégagez. Clara, dégage. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Désolé, je l'ai demandé de partir. Dégagez. Espèce de vieux singe. Mec. Hey, maman. Mon prince. Maman. Le prince du royaume de Mwago. Ma chère Sois maman. Sois bienvenue. Sois béni. Amen. Que les dieux de nos ancêtres te bénissent. Bienvenue, oh, merci, mon fils. Maman. Ah, oh, regarde-toi, maman. T'as la forme. Merci. Oh, toi également. Ça, c'est ma ravissante sœur. Mon frère adoré. Bonne arrivée. Hey, comment tu vas? Je vais bien. Mm-hmm. T'es trop beau. Sois le bienvenu, mon garçon. Oh, non. Vous êtes surpris de me voir, n'est-ce pas? Oui. Je vous salue, mon prince. Ah. Obi. Okuru. Mon prince. maman, mon ami des États-Unis, il m'a conduit ici. Bienvenue, mon fils. Merci. Bienvenue. Outi. Oh. Mon prince. Comment est-ce que tu vas? Allez, salut. C'est bon, voyons, mais lève-toi. Lève-toi. C'est bon, ok? Ben, voyons. Sois un nom, mec. Allez, cesse de pleurer. La belle. Jolie. Et classe, Clara. T'es surprise de me voir, n'est-ce pas? Ah. Non, c'est bon, c'est bon. Allez, voyons, lève-toi. C'est bon. Ok. Tizi. Tizi. Hey, allez. Ça va. Lève-toi, d'accord? Je suis très content de te voir. Ah, Maka. Mon prince. Hey, ça va. D'accord. C'est bon. D'accord, mon prince. D'accord. Hey, il est la plus sexy audio. Bienvenue, mon prince. Hey, je suis content de te voir aussi. Je suis heureuse de te voir. Hein? Bah, je suis content d'être de retour chez moi pour de vrai cette fois-ci. Ça fait du bien. On se dit à plus tard. Bienvenue à la maison, Okoro. Allez, maman, c'est bon d'être à la maison. Hey. Prince, Okoro, elle passe. Okoro, elle prince. Okoro. Okoro. Clara, cesse de pleurer, cesse de pleurer. Arrête, cesse de pleurer. Tché, Balamba, Walifumba. Allons-y, t'inquiète pas. Hey! Tché, Balamba, Walifumba, Nya. Hey! Hey! Pagolo, Parsi, Walabo. Clara, arrête de pleurer, voyons. Il faut n'a n'a Hey! 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 Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Hey! 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 Et arrête de pleurer. Hey! Hey! Arrête.
Arrête de pleurer. Hey. C'est bon. Hey. C'est bon. Uche, s'il te plaît, ne va nulle part. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? La reine a besoin de toi. Vous êtes folle. Nous avons tous offensé le prince, s'il te plaît, ne va nulle part, s'il te plaît. Laissez-moi tranquille, s'il te plaît. Uche, Uche, ne va nulle part. Uche, il ne te fera rien de mal. Uche, s'il te plaît, ne t'en va pas, il ne te fera rien de mal. Uche, s'il te plaît, reviens. Non, reviens. Qu'est-ce qui ne va pas chez ce gars? Qu'allons-nous faire à présent? Et tu me demandes ça? C'est entièrement de ta faute. Comment ça? L'ai-je demandé d'être dû envers le prince? Je vous salue, ma reine. Je vous salue, mon prince. Je vous salue, ma princesse. Je vous salue, Ono. Chizzy, j'aimerais que tu t'asseyes. Assieds-toi. Ma fille, prends place. Voyons, sens-toi libre. Chizzy, je sais que tu dois être surprise que je te demande de t'asseoir en présence de ma mère qui est la reine. Ma sœur, Adézé, Lonou, et mon ami d'enfance avec qui je suis venu des États-Unis. Oui, mon prince. Écoute, Chizzy, j'aimerais que tu me vois comme le Okoro que tu connais. Le même avec qui tu te sentais libre. Vois-tu, Chizzy, tu m'as donné à manger quand j'avais faim. Tu m'as donné de l'amour. De l'attention. Tu as toujours été là pour moi quand tout le monde m'avait rejeté et me tournait le dos. Tu as même porté mon fardeau. Et ignorant même que j'étais le prince du royaume d'Omuago. Et j'aimerais que tu me vois toujours comme ce même Okoro. Et il y a un adage qui dit « un prêté pour un rendu ». Chizzy, j'aimerais te remercier. Et j'aimerais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi en ces moments-là. Et donne-moi ta main. Allez. Allez. Chizzy, j'aimerais que tu sois la mère de mes enfants. Et j'aimerais que tu sois la prochaine reine du royaume d'Omuago. Je te veux à mes côtés lorsque je monterai sur le trône de mon père. Et c'est pourquoi je te demande ici maintenant de m'épouser, Chizzy. Allez, dis oui. Grand-mère. Oui, ma fille. Je dois rentrer au palais maintenant. Je suis juste venue te voir. S'il te plaît, prends bien soin de toi pour moi. Ok. Tu sais que tu es la seule personne que j'ai dans ce monde entier. Ça ira, ma fille. Tout ira bien pour toi. Amen. Sois toujours prudente. Et autre chose, ne sois pas parmi les filles sélectionnées pour le royaume de Mogo en tant que la femme du prince. Parce que t'es liée à la famille royale. Ton arrière-grand-père était lié à son père.
Donc, même la reine, même pas elle, n'est au courant de tout ceci. Mais les aînés et les pères le savent tous. Ok, grand-mère. Mais tu dois aller mieux, je t'en prie. Ok, ma fille. Merci beaucoup, grand-mère. Je t'aime beaucoup. Ok. Qu'est-ce que tu racontes? Jésus-Christ. Quoi? Quoi? Mère! Quoi? Jésus! Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Tu l'as mis à to marry, baby, make up my wife.